Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019 OL Lille. Sur ce, bon visionnage! Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les équipes sont arrivées il y a un peu plus d'une heure maintenant. Elles se sont échauffées dans de bonnes conditions. La pelouse est belle. Elle a été tondue juste à la bonne hauteur pour que le ballon glisse bien, aille rapidement. L'ambiance était plutôt bonne, malgré le ciel menaçant qui pourrait nous donner un peu de pluie plus tard. Mais pour l'instant, pas de goutte. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Le match commence. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. En retrait vers son gardien. Rami. Lille qui peut avancer. Allez. Avec Valbuena. Le bon dribble. Valbuena qui centre. C'est dégagé loin devant. Lille qui récupère ce ballon. Iniesta. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Diaz. Aouar maintenant. Il n'arrive pas à se rapprocher du but adverse. L'Olympique Lyonnais qui peut vraiment remercier son entraîneur pour sa dernière victoire. Et oui, il n'a pas hésité à prendre des risques pour aller chercher la victoire. Remplacer un défenseur par un attaquant de pointe, fallait oser quand même. Oh, Van Persie. Allez, c'est dangereux! Aouar maintenant. On s'observe, on se jauge, mais c'est logique en ce début de rencontre. C'était une bonne intervention. Pape Diop. Qui est récompensé de son pressing. Voici Valbuena. Il est passé. Iniesta. La belle interception. Aouar maintenant. Diaz. Forlan. Lui offre un vrai caviar. Il peut en profiter. Il peut y aller. Van Persie. Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Lille, qui aujourd'hui n'aura pas son efficacité habituelle du deuxième quart d'heure. Il tente de la jouer dans l'espace.
Oh, c'est chaud. La frappe. Oh, le but. But pour l'Olympique Lyonnais. Ah, il est toujours bien placé. La preuve. Ah, il est très malin sur ce coup-là. Il profite des airs, monte à la défense. Il est parfait. Diaz, qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. L'Olympique Lyonnais qui a donc ouvert le score. C'est fait, ils ont ouvert le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Donc il va vite sur ce côté. C'est bien fait ça. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Iniesta. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Pour Traoré. Ça manque de soutien dans la zone de vérité. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Traoré. Forlan qui cherche la profondeur. Oh, voici Nasri. Dans la surface. Forlan. Mais il va être sanctionné. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. C'est bien placé, ça peut être une frappe directe. Alors là, c'est une bonne opportunité. S'il arrive à bien le cadrer, ce sera forcément très dangereux. Iniesta qui... Il tire. Et le cadre se dérobe. Mais se dérobe vraiment. C'était une frappe tonitruante. Ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Pour Traoré. C'est joué long. Ça joue à gauche. Valbuena. C'est parfait, magnifique. Valbuena en retrait. Jusqu'au bout. Premier corner dans cette rencontre. Oh, il a complètement manqué son dégagement. Oh, le bon ballon. Ça ne passe pas. Le ballon sort en touche. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Le soutien derrière lui. C'est un bon ballon. Attention, la frappe. Et l'arrêt, magnifique. Oui, il était bien concentré. Bravo. Un peu d'oxygène pour sa défense. Et c'est directement récupéré. C'est joué long, attention. La défense est battue.
Voilà une bonne occasion de contre. L'Olympique Lyonnais peut enfin respirer après ce coup de chaud. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il est passé. Il a tenté, bien joué. Forlan. Et c'est la pause ici. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ce n'était sans doute pas le scénario qu'ils avaient prévu, mais pas de panique, il reste encore beaucoup de temps. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Lille n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Nasri. Un long ballon vers l'avant. Pour Traoré. Forlan. Van Persie à droite. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. C'est bien donné, bien servi. Il réoriente le jeu vers l'arrière. Oh, Van Persie. Pas de solution, demi-tour. Mangan. Lille qui cherche l'ouverture. Ça sort, touche. Nouvelle remise en jeu. Lille va évidemment chercher à réagir et effacer ce petit but de retard. Iniesta. On joue sur l'aile, il est servi. Oh, quel geste! Valbuena! Va-t-il en profiter? Nasri! Oh, il a failli en profiter! Diaz qui a déjà pris le pas sur la défense. Dans la profondeur. Attention, c'est dangereux. C'était bien joué. Dommage. Mais quelle vista là, quelle vision du jeu. Et ce petit ballon piqué en profondeur. Nasri. C'est bien ce qu'il fait là. Il est bien placé. Il rejoue derrière lui. Oh oui, Iniesta. C'est dégagé. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Iniesta. C'est bien ce qu'il fait là. Elle continue sa course. La passe est précise. Oh, le bon ballon. Nasri, c'est au fond des filets. L'égalisation du LOSC Lille Métropole. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Nasri, qui inscrit là son premier but de la saison.
On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Jordi Alba qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Long ballon dans le sens du jeu. Aouar maintenant. Traoré qui écarte le jeu. Kagawa. Qui est le premier sur ce ballon? Non, il est signalé hors jeu. Oui, il y a hors jeu. Quel dommage, quel dommage. Il y avait un superbe coup à jouer là. L'Olympique Lyonnais qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison Grégoire, j'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée, vous le savez. Oh, Iniesta. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Passe interceptée. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Il joue dans l'espace. Le drapeau ne s'est pas levé. Il décide d'allonger le jeu. Oh, le contre, l'arme fatale. Il est bien placé. Il progresse encore. Oh, la grosse occasion! Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. Oui, il était fini, crevé, carbo, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Pape Diop. Il doit vite trouver une solution. Diaz. Il glisse le ballon en profondeur. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. La passe dans la profondeur. Oh, il l'a récupéré. Le gros dégagement. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Mangan. Ça peut être extrêmement dangereux. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien donné. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça sent la frappe. Grosse, faut frapper là. Oh, c'est dedans. Et ce but pourrait être décisif. Quelle intelligence dans la finition. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Ils ont coupé. Cette fois, c'est terminé, l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Sincèrement, il mérite tous les superlatifs après un tel scénario. Rester calme dans un tel match et renverser la situation. Quel match ils ont réalisé! Ce match a donc livré son verdict dans les derniers instants. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'arène, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. Merci Grégoire. On remet ça quand vous voulez.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.